Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Tedisvap. Alors, pour moi, le costume n'a pas vraiment changé parce que hier, on était le 24, avec Steven, on a décidé de tester les liquides avec un bonnet de Noël. Mais cette fois-ci, le bonnet de Noël a changé de tête. Et c'est Benjamin qui porte un bonnet de Noël aujourd'hui. Et voilà. Et on va tester un liquide, du coup de cœur, parce que le 25, c'est un liquide coup de cœur. Et c'est donc aussi une gamme coup de cœur, comme je l'avais dit sur d'autres vidéos. La gamme de chez Bubble Liquide. Est-ce que tu as déjà testé du Bubble Liquide? Ça me dit rien. Ça te dit rien. Non. On n'a jamais testé ensemble de Bubble Liquide, je crois, sur une gamme et des potes. La dernière une gamme et des potes que j'ai fait sur Bubble Liquide, c'était pas avec toi. Bah voilà. Donc, c'est pour ça, tu m'avais pas invité, tu m'as pas fait goûter, donc c'est bien. Et donc, je garde cette vidéo Bubble Liquide pour toi aujourd'hui, parce que... C'est Noël, c'est mon cadeau. Voilà. Ouais. En gros, Bubble Liquide, c'est une gamme d'arômes simple mais efficace. Aujourd'hui, on va tester un arôme qui me plaît franchement pas mal. On va tester la pastèque. Pastèque. Voilà, on va tester la pastèque. Un petit peu de soleil dans cet hiver. Et donc, ça va nous rappeler un petit peu le soleil parce que là, actuellement, il fait froid. Et donc, on va se rappeler un petit peu nos saveurs d'été avec cette petite pastèque. Et donc, en attendant que j'imbibe le coton, je coupe au montage et on se retrouve tout de suite pour le test. Et donc, comme le veut la tradition, le coton est imbibé. Et donc, du coup, je te laisse le vaper en premier. Merci. Alors, attends, je ferme les yeux, je m'imagine sur la plage. Je vais manger dans ma pastèque. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein. Allez, on va goûter cette pastèque. Pastèque quoi, c'est... Ah, ça a vraiment le goût de pastèque quoi. Ouais. Il n'y a pas à dire, c'est une bonne pastèque juteuse, bien mûre. Ah voilà, sans grande surprise, hein. C'est Bubble, moi j'adore Bubble pour ça. Juste pour leur simplicité d'arôme. Et on a une pastèque magique. Vraiment ouais. Une bonne pastèque avec un bon arôme vraiment bien dosé. On a quand même une pastèque puissante. C'est vraiment un arôme puissant. Ah oui, ouais. Et tu vois, par exemple, tu parles là, après, ça reste... je sais pas, j'ai un petit effet... pas un effet frais, mais... Ouais. Mais je sais pas comment dire. Bah, le petit côté un peu frais de la pastèque qui reste un petit peu en bouche, ouais. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon quand même. Ah, un pépin. Ah, pastèque. Et donc, la question que je me pose là maintenant, tu as testé du Bubble, ouais. Donc tu es la dernière personne à tester du Bubble, et est-ce que tu penses que cet arôme est chimique ou pas? Tu ressens un côté chimique à l'arôme ou pas? Non. Non? Non, mais c'est vraiment un goût de pastèque, pas de côté chimique. J'ai déjà goûté des arômes, des liquides où ouais, j'étais déçu parce que tu sentais c'était chimique, quoi. Ouais. Mais rien de naturel comme ça, c'était vraiment chimique. Là, non, tu as un goût de pastèque, tu as l'impression de croquer dans une pastèque. Alors, vous voyez, il n'y a pas de chimique. Hein. On est sur du 100% réussi pour Bubble Liquide. Personne trouve que vous avez un goût chimique. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est indéniable. Bubble Liquide, ça a l'air authentique, vraiment. On a sur la gamme, les différents liquides de la gamme Bubble Liquide qu'on a testé, du coup, sur ce calendrier de la vape. On est sur des mono-arômes et on a mono-arômes simple et efficace. Voilà, simple, efficace. Et quand on nous dit on a une pastèque, on a une pastèque. Et du fait qu'on est sur des mono-arômes, est-ce qu'on peut par exemple faire des mélanges nous-mêmes en prenant deux flacons d'arômes, hein, je sais pas, mettons on a une pastèque et puis autre chose, et de se faire on peut se faire un mélange Alors, c'est une question vraiment très intéressante. Alors, malheureusement, je pourrais pas te répondre aujourd'hui. Ouais, mais... Mais... Peut-être que certains ont testé, ont essayé... Si vous avez testé et essayé, dites-nous dans les commentaires. Ouais, ça serait bien. Vraiment, ce serait intéressant. Et je vais poser la question. Je vais vraiment poser la question non, on leur demande aussi. À Bubble Liquide. Et je vous répondrai aussi si... Parce que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire ces mix de liquides. Bah ouais. Ces mix de liquides peuvent être très très intéressants. Et on peut réussir à faire des petits cocktails vraiment sympas avec des saveurs authentiques que font Bubble Liquide.
Maintenant que tu nous as dit vraiment que tu ressentais une pastèque authentique, etc., etc. Ouais. On va parler un petit peu plus en détail de cette gamme, que j'ai l'habitude de le rappeler à chaque vidéo que je fais sur la gamme Bubble. Il faut rappeler que c'est une gamme avec, enfin, du coup, sans sucralose, sans conservateur et sans colorant. Donc c'est une vape propre. Voilà. Ah, effectivement. On est sur une vape propre. Effectivement, on le voit là-dessus. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Tourner un tout petit peu. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Hop, voilà. Donc vous voyez sur le liquide, donc là je vais mettre mon bras ici, vous voyez juste ici là, c'est marqué que vous avez zéro colorant, zéro sucralose et zéro conservateur. Voilà. Ça, c'est bien aussi ça. Vous avez une vape propre et vous avez un liquide vraiment propre. C'est fabriqué en France et par Bubble Liquide et vous avez vraiment des arômes et une vape vraiment propre. Et on est sur du 50-50. On est sur du 50-50, 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Sinon, les flacons sont fournis zéro nicotine. Zéro de nicotine. Et c'est des flacons de 20 ml. Alors, il y a différents formats. Alors là, c'est intéressant de le dire, justement, comme c'est la dernière vidéo, on va peut-être prendre un petit peu plus notre temps pour parler de... Ouais, voilà, on est 25, c'est le repas de Noël, c'est ce soir, on a le temps. En plus, il est midi, donc vous n'avez pas encore commencé vos repas de Noël. Enfin, après, vous allez dire le 25 peut-être. Vous avez différents contenants, mais je n'ai malheureusement pas le dernier contenant qui est disponible du coup sur cette gamme Bubble. Donc sachez que vous avez du coup ici 70 ml de disponible. Voilà, un liquide en 70 ml. Donc là, celui-ci, c'est Exotica. Vous avez celui-ci qui est en 50 ml. Voilà, on a du 50 ml. Là, c'est du mangue, c'est de la mangue. Donc on a on a le choix dans la contenance. Voilà, on a le choix dans la contenance. Là, ici, on a du 20 ml. Donc, et on peut monter du coup jusqu'à 30 ml dedans, en le boostant, etc., etc. Et on a aussi le contenant 10 ml. Donc ça veut dire que quand vous ne connaissez pas la gamme, quand vous avez envie de tester la gamme Bubble Liquide, mais que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez vaper, vous allez dans le shop qui distribue du Bubble Liquide, et il va vous proposer 10, 20, 50 ou 70 ml. Vous pouvez prendre un 10 ml. Qui permet de tester. Si vous aimez bien, vous pouvez revenir prendre un 20 ml. Si vous aimez vraiment bien, vous revenez, vous prenez un 50 ml. Et puis après, vous vous dites, bah tant qu'à faire, je vais prendre 70 ml. Voilà, simplement. C'est pas mal. Et donc en vrai, oui, il y a plusieurs contenants. Donc ce qui est bien, c'est que si vous aimez bien le liquide au goût pendant la phase de test que vous allez faire en magasin, pendant la dégustation que vous allez faire au shop, mais qu'après, au long terme, ça vous barbe un peu de tester la barbe par rapport au Père Noël. Bien joué. Si pendant un moment, ça vous barbe d'avoir ce liquide-là constamment, eh ben c'est gênant d'avoir pris 70 ml. Alors que si vous avez pris du 10 ml, vous prenez pas trop de risques. 10 ml, ouais. Ça se vape vite. Même 20. Et même 20 ml, ça se vape très vite. Hein. Ça dépend, ouais. Et après, si vous prenez du 10 ml ou du 20 ml et que vous aimez vraiment bien, rien ne vous empêche de repartir au shop après prendre du 70 ml. Donc sur cette carte, il y a 31 saveurs. Et j'ai vu à la dernière vidéo que j'ai postée de Bubble Liquide, il y avait 31 saveurs. Enfin, il y en avait 32 maintenant, 32. Mais j'ai vu aussi que Bubble Liquide en a ressorti encore. Et donc maintenant, il n'y en a plus 32, il y en a plus. Il me semble qu'ils en ont sorti 3 de plus. Et donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus lesquelles sont les nouvelles sorties. Mais vous avez encore de plus en plus de saveurs. Donc en gros, la gamme Bubble s'agrandit de mois en mois. Et en plus de ça, il y a des nouvelles recettes qui vont pas tarder à arriver. Des mélanges assez sympathiques, ça j'en ai entendu parler. Mm-hmm. Mais malheureusement, je n'ai aucune info là-dessus. Vous comprenez que je n'ai aucune info là-dessus. Vraiment aucune. Aucune. Mais ce sera à tester dans une gamme d'époque. Donc voilà. Après, ce qui est important aussi à dire, c'est que dans tous les cas, comme la gamme est large et il y a quand même pas mal de choix, que ce soit en fruité ou autre, vous avez du coup les fruités, les gourmands, de la menthe, des fruits rouges et aussi des classiques. Les classiques, c'est du tabac. Donc vous avez vraiment pour tous les goûts. Donc gros coup de cœur pour le liquide pastèque, mais très très gros coup de cœur pour la gamme Bubble cette année qui est arrivée depuis dans mon top liquide, en fait, dans les liquides que je vape régulièrement.
Et je trouve qu'on a des saveurs authentiques. On attend avec impatience ce qu'il nous réserve pour cette année 2020. Donc en tout cas, c'était un très très grand plaisir de tester les liquides de chez Bubble Liquid. Je remercie Guillaume et Elena qui ont fait encore un travail extraordinaire avec moi pour me permettre en fait de venir tester vos liquides. Bubble Liquid, vape révolution. Donc Bubble Liquid, si vous avez encore d'autres liquides à nous faire tester, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de travailler sur le test de vos liquides. Ah, moi j'ai bien goûté. Ouais. Et on ferait bien une. Du coup, on avait fait deux. J'ai fait une gamme des potes et une revue sur les liquides seuls avant. On a fait les liquides sur ce calendrier de la vape. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une gamme des potes complète de Bubble Liquid? Ah, bah, carrément. Alors, retenez bien ça. J'ai découvert Bubble Liquid et. Je suis vraiment bien curieux de goûter tous les autres. Alors, on vous demande si ça vous intéresse, Bubble Liquid, de faire une troisième gamme des potes avec vos liquides. Voilà. Benjamin n'a pas encore eu l'occasion de tester tous vos liquides. J'ai le palais, pas de souci. Et donc, n'a pas eu l'occasion de tester un large panel de liquides de chez vous. Et donc du coup, c'est une proposition. Si vous souhaitez qu'on fasse une gamme des potes encore, sachez que c'est avec un très grand plaisir qu'on teste vos liquides. Voilà. Et joyeux Noël ! Voilà, j'allais y venir justement. C'était vraiment le dernier mot que j'allais dire. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon. J'ai oublié dans la vidéo d'hier, je suis vraiment désolé de vous dire, de passer un très très bon réveillon. J'en suis vraiment désolé. Mais il travaille trop, il aussi. Je travaille trop, vraiment trop. Mais vous verrez au bêtisier pourquoi je travaille trop. Et je vais le redire maintenant. En vrai, c'est pas parce que je tourne une vidéo par jour. Non. Je tourne. Là, je suis à ma 10e vidéo. Vous vous rendez pas compte. Il est épuisé, le garçon. Il est épuisé. Ça, plus Noël. Voilà. C'est catastrophique. On vous souhaite à tous un joyeux Noël. On espère que vous avez passé un bon réveillon. On espère que le Père Noël vous a gâté quand même aussi. Et si vous avez eu... Alors ça, c'est intéressant pour nous de savoir. Rejoignez-nous sur le groupe T10Vap, le groupe. Et sur la page Facebook T10Vap. Et mettez en commentaire, on va mettre en publication aujourd'hui, si vous avez eu des cadeaux relatifs à la cigarette électronique, on est très heureux de le savoir. Ah ouais, on est très curieux de voir un petit peu ce que vous avez eu, des nouveaux modes, des nouveaux liquides, etc., des accessoires. Mettez-nous dans les commentaires sur Facebook tout ce que vous avez pu avoir en vape. J'y avais pensé ça, hein. J'ai dit, tiens, et bon, si je demande ça à madame... Ou... Si vous avez des photos de vos cadeaux que vous avez eu à Noël... relatif à la cigarette électronique. Si vous avez eu... Je vais voir si on va en faire un. T'auras des liquides, mon petit, ne t'en fais pas. T'auras un petit panel de liquides. Un petit cadeau de T10Vap pour moi. Ah, cool. Voilà, parfait. Et de toute façon, je saurais vous remercier d'avoir tourné les vidéos avec moi. Ça, il n'y a pas de problème. Ça demande beaucoup de travail, mais pas que pour moi, pour vous aussi. Ça demande une présence, donc c'est évident. Donc, surtout aussi en commentaire de cette vidéo, mettez-nous, si vous avez eu, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir Facebook, hein, forcément. Mettez-nous aussi en commentaire de cette vidéo si vous avez eu des cadeaux relatifs à la vape aussi. Ça nous intéresse de savoir un petit peu sur quoi vous vapez, etc. etc. Et sur quel liquide vous vapez aussi en ce moment. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Il y aura en début d'année... Enfin, je ne vais pas vous en parler maintenant. Non, on va en parler à la dernière voilà. Vidéo. Voilà, plus et rien. Et de toute façon, vous allez voir... Il faudra regarder les autres vidéos. Il y aura beaucoup de changements pour cette année 2020. Beaucoup de changements du début à la fin des vidéos. Il y aura beaucoup de changements. Vraiment beaucoup de changements. Donc, en attendant, je vous souhaite encore une fois joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Benjamin. Joyeux Noël, Teddy. Et merci encore d'une fois d'être venu. Y'a pas de quoi, merci. C'est toujours un plaisir de tourner avec toi. Et on se retrouve, du coup, toi et moi, la semaine prochaine. Ah bah, cool. C'est génial. Pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, donc à la nouvelle année, alors. Ah bah oui. Bon, moi, je verrai intéressant. Bien. C'est la surprise. De toute façon, sachez que le 31 et le 1er, c'est aussi des liquides coup de cœur. Donc, vous allez pouvoir découvrir encore les derniers liquides coup de cœur, les deux derniers liquides coup de cœur qu'il y a eu sur cette année 2019. Et donc, du coup, tu vas pouvoir vaper un de mes liquides coup de cœur. Je ne le cite pas maintenant, forcément. Vous serez obligé de revenir pour le savoir. Et en attendant, restez attentifs parce que beaucoup de choses vont changer. Et comme je ne vous ai pas oublié pour Noël, sachez qu'il y a un concours qui arrive très bientôt pour vous remercier d'avoir regardé le calendrier de la vape. Mais pour ça... Ça, je ne le dis pas tout de suite. Enfin, je ne l'ai pas dit dans toutes les vidéos, je vous le dis maintenant. Parce que comme ça, moi, je suis sûr que vous allez regarder jusqu'au bout. Il faudra partager les vidéos. Vraiment, partager les vidéos sur Facebook et ailleurs. Je sélectionnerai dans ces personnes-là, à l'issue du concours, les personnes qui ont vraiment partagé les vidéos, etc. etc. Et vous repartirez avec une gamme de liquide complète.
Et peut-être du matériel, qui sait. Bon, tu m'excuses, je dois aller partager des vidéos. tout est prêt, les colis sont prêts, il ne reste plus qu'à mettre le nom. Et vous aurez des petits cadeaux de T10VAP, etc., etc., vous en faites pas. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de faire une vidéo le jour de Noël. Et ouais. J'espère qu'elle sera regardée. J'espère qu'on ne vous dérange pas trop en plein repas de famille. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Encore un très bon joyeux Noël. Et en attendant, une bonne vape à tous. Et à demain. Salut, joyeux Noël. Ouais.